Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino. Il s'agit de l'épisode numéro 2 de Gris. De Gris. Gris? En anglais, ça se dit comment? Gris? Est-ce qu'ils disent Gris? Est-ce qu'ils disent Gris? Ou est-ce qu'ils disent Gris? Gris qui est surtout rouge, vert, bleu, jaune maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On a trouvé pas mal de couleurs la dernière fois. Allez, on va voir où on en était arrêté. Je crois qu'on avait arrêté juste après. Il y avait un passage sous la flotte, me semble-t-il. Hein? On a arrêté juste quand on était sous la flotte. Ou quand on venait de sortir de la flotte? Je ne sais plus. Oh, c'est joli ça. C'est le chargement? Ah non, ok, d'accord. Oh, c'est... Ah, mais oui, ok, d'accord. Bah, en fait, ça n'a pas arrêté là où on avait arrêté. C'est ça? Ça se dit, ils disent Gris. Ok. Ok. Bah, j'ai demandé à un de mes collègues pour savoir si... Si ça voulait dire la même chose chez eux, et apparemment, ça veut presque dire la même chose. Apparemment, quand ils parlent de gris ici, c'est plutôt genre le temps est gris, en fait. Montez un peu le son aussi. Ça veut plus dire le temps est gris et pas forcément la couleur grise, quoi. C'est, bien sûr, ça connote, mais... ok, bah je... Ok, je ne sais plus où on est et ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut... On va avoir un récap ou... Je sais pas, j'avance. Il me semblait qu'on s'était arrêté à un endroit particulier. Il me semblait. Schwing. 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 On fuyait une bébête. On fuyait une grosse bébête. Et est-ce que là je retourne là où la bébête était? Est-ce qu'on peut savoir? Non, on peut pas savoir. On peut pas savoir où j'allais, où je vais. Ce qui se passe. Jim là-haut, est-ce que je vais du bon côté? J'ai un gros doute. Parce que pour moi, j'étais resté dans une salle, en fait. Il me semble qu'on avait arrêté dans une salle. Et j'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui le dernier épisode, donc... Puis là... Ok. Je pense qu'on va revoir la fin du boss. Ah. C'est pas grave, c'est rapide. Ouais, non, mais je veux juste être sûr que je vais pas en arrière. J'ai l'impression d'aller en arrière, en fait. Non, ça m'embête pas, hein. C'est juste... Je veux juste pas... Ah. Ah, d'accord, ok. Ah, j'adore. Mais c'est un peu, quand même. Ça, c'était vachement prenant, quand même. Vachement bien fait. Et ça donne vraiment l'impression qu'on est... qu'on essaie de s'échapper au... Qu'on essaie de se sauver la vie, alors qu'en fait, je pense que c'est tout scripté. Je pense que ça sert à rien que j'accélère, par exemple. Et on se fait sauver par la tortue des Galapagos. Ouais. Est-ce qu'on peut aller sur les... Non, on peut pas sortir de la... Ok, donc après c'est par là, je crois. Je me rappelle bien. Et on a dû arrêter juste après ça. Ouais, ça doit être ça. T'as remis le volume max, mais c'est bien. Voilà, on a arrêté juste ici, je crois, la dernière fois. La musique est carrément épique, Baron, je suis d'accord. Je suis d'accord. Elle donne envie d'acheter la... Ça donne envie d'acheter le... La BO. Ok, est-ce que... Ah oui, ça. Ok, c'est tout. Et j'ai double saut, ok. Donc bah j'avance. Oui. Je crois qu'il a peut-être arrêté juste après, non? Je sais plus. Je me demandais si on pouvait péter la glace. On a combien de baboules là? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ça fait beaucoup. Deux secondes, je me demande si je peux pas monter le volume. Oh non, je suis au max. Je suis au max. C'est un jeu pour home cinéma, ouais, ce que tu disais la dernière fois. Est-ce que je peux casser un truc ici? Non. Je ne veux... Oh, mais j'aime bien comment c'est fait. Hein. Là, quand elle saute sur, sur l'eau, on dirait qu'elle est sur une espèce de... drap. C'est bizarre. Hein. Hein. Non mais excuse-moi mais je veux aller là moi. Je peux pas sauter là, ok. Ah mais je peux... Non. Que va? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux monter le son avec ton matériel? Ouais je peux le monter... Je peux le monter mais plus ça va saturer. Hein. C'est assez rare que je monte aussi haut d'ailleurs sur un jeu. C'est bizarre. Hein. Ouais, bref, c'est bien, mais je fais quoi? Ça s'allume quand je vais là. Je peux pas sauter sur le pot. Mais c'est bizarre. Ok, ah, je sais, d'accord, faut que je double saut à partir de là en fait. Ok. Désolé, il faut le temps que ça revienne. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je vais là-dessus? Ok, rien. Ouais, merci. Merci. Tac. Ah, je me disais aussi, ça aurait été bizarre un peu. Ok. Quand est-ce que je chope un flingue? Pardon, excusez-moi. Je plaisante. Ok, c'est de la glace. Ah, ça c'est les petits papillons qui font... Ça. Ok. Ok, non. Ah oui, d'accord, ok. Non. Bah je peux pas aller beaucoup plus haut que ça en fait. Ah là-bas à droite. Ok. Wouh. C'est la classe à Dallas quand même. Eh merde, j'aurais dû retomber sur le cube. Ok. Tac. Ok. Ah, on peut remonter là. Yes, ok. Oui.
tu connais Insanely Twisted Shadow Planet. Je connais de nom, je me demande si je l'ai pas. Non, je pense pas. Bon, je veux de la lumière. Je veux de la lumière. Donne-moi de la lumière. Tu veux pas? Ok. Tu veux le conseil? Ok. C'est noté. Mm-hmm. Bon, maître de Vania, très original. Ok. Je me disais, hein. Si c'était pas ça. C'était autre chose. Non, c'était pas autre chose. Ça pouvait être que ça, je veux dire. Voilà. Oh là là, je suis fatigué. Ok, par là, alors. D'accord. Je pense qu'il doit y avoir des passages secrets derrière dans ces endroits-là. Bonjour. Que fais-je? Ok, faut que je remonte par là, en fait. Ouais, trop bien, j'aime bien. C'est paisible. C'est un Metroidvania, on joue pas un personnage quelconque. On joue plusieurs personnages, c'est ça? J'imagine. C'est ça la façon de débloquer le... De pouvoir backtrack, j'imagine. Avant ça, on va aller regarder par là. Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille à droite ou à gauche? Apparemment, la réponse est à gauche. Ah, la réponse est... La réponse est non, tu continues à monter, espèce de con. Voilà. Okay. Ok. Bon, bah je sais pas, je vais par là. Hein. Oh, salut. Je sais pas si je vais aller tout en bas. Je suis tout en bas en fait. C'est beau avec toutes ces couleurs. Ouais, c'est clair. Ok, donc apparemment je peux pas aller plus à gauche. On a que les trois versions de cet endroit en fonction des couleurs trouvées. Oui, c'est sympa. Ok, donc il y a une autre bouboule à trouver. Qui j'imagine doit être à droite du coup. Thank you.
Non. Je peux aller par là en fait, ok. Clipity clop, clipity 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 clop, clipity clip, clipity plop, plop. Ah bah non! Ah bah non, c'est bloqué! Vilain jeu, là. Une fissure, là. Ce que j'aime bien, c'est ça, en fait. C'est les espèces de... de nuages pastels, là, comme ça, là. La façon dont c'est fait. On dirait qu'il y a un filtre par-dessus l'image. Je trouve ça super, hein. La musique est très spatiale, oui. C'est pas faux. Je te l'accorde. Je twing. Alors ceux qui ont pas dormi encore là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être... Oh, magnifique. J'espère pour vous que vous allez... Enfin, remarquez si vous allez... si vous dormez maintenant. Si ça vous a bercé, bah tant mieux. J'ai l'impression d'avoir loupé un truc là, mais bon. Hey Avia, coucou! Avia, t'étais pas là hier, c'est pas bien! Comment, pourquoi? Oh, je peux pas casser le pot là. Oh, c'est parce que j'ai pas le, la bouboule lumineuse? Oui, mais. Elle est où? Je fais quoi du coup, moi? Je comprends pas là. Oh! Je peux le faire sans casser les pots, d'accord, ok. C'est noté! C'est vraiment joli, mais ça nique un peu les yeux, quand même. Mais sinon, ça va, viens, j'ai eu... Oh, des papillons jaunes, cette fois. J'ai une journée un peu compliquée. C'est joli. Je sais pas ce que ça change. J'ai l'impression qu'on va plus haut, non? Ou c'est une idée? Oui, le kilo, je te spoil, mais obligé, fier... tomber, je crois. Fear of Layers. Layers of Fear 2, magnifique. Non, mais faut pas spoil. Je sais, j'imagine qu'il est super bien. Je suis fan numéro 1 du premier. J'ai fait un early access. Évidemment que j'ai envie d'y jouer. Évidemment d'ailleurs que je suis dégoûté aussi que plein de gens l'aient fait avant et que je risque de me spoil, etc, etc, et puis que... Enfin, c'est comme ça. Donc en fait, ça disparaît, j'ai l'impression. Ouais, je valide. Je vais où maintenant? Là, apparemment. Je suis claqué parfois, je dors que des coups de 3 heures. Non mais je déconne évidemment, Avia, tu... J'espère que ça va bien, en tout cas. Là.
Chaleniel ne s'installe pas dans le canapé avec une bonne bière brune belge bien brassée et vient à la place faire un poutou sur le front de tout le monde avant d'aller tranquillement s'installer dans son lit pour un sommeil réparateur bien mérité. Coucou Chaleniel. Au revoir Chaleniel. Merci d'être passé. Et poutou du coup. Oh. Je le dis très propre. Merci. Merci. Ah oui, on peut récupérer les... Ah ouais, mais alors, attendez. Ah, mais je fais quoi avec, du coup? Est-ce que je peux en prendre deux? Chouing. Chouchou, génial. Layers of Fear, je l'ai pas encore lancé, dire de pas être spoil actuellement. Ah ouais, tu m'étonnes. La peur de deuxième couche, on garde le titre. Ah ouais, tu me balances le moi en Wisp Gym là-haut, on le réutilisera celui-là. Tiens, du coup, Baron, vu que tu l'as fait, combien de temps tu l'as fait? Combien de temps il t'a pris? Ça m'intéresse par contre pour planifier les streams. Genre si se fait en 3 heures par exemple, autant le one shot quoi. Je serais bien resté, mais comme je bosse pas mal en stream en ce moment, je suis complètement claqué, je suis vraiment désolé, promis je reviens. Non, mais t'inquiète pas. Mais on t'aime aussi, ne t'inquiète pas, tout va bien. Y a pas de souci. Je vais où alors du coup là? Je ne sais pas. Là? Ah bah oui mais non, enfin je sais pas. Ah, il faut que j'aille là-haut en fait. Oh, la musique! Vous savez à quoi me fait penser la musique? Du Sigur Rós. Et si vous connaissez pas Sigur Rós, allez voir tout de suite. Non, pas Vangelis. Tu l'as pas fait le jeu, tu l'as vu en stream. D'accord, ok. Ah ben là, il y a un problème là. Sigur Rós, il faut que je le tape. Sigur, ouais, ça s'écrit presque comme ça. Ouais, c'est ça. Non, si c'est ça. Ouais, Sigur Rós. Mais il y a des accents à la con sur les... Je crois sur le... Oh, je sais plus exactement. C'est un groupe islandais, en fait. Et tous les titres de leurs chansons sont des trucs en islandais. C'est incompréhensible. Mais c'est magnifique. Là, je les ai vus en concert il y a longtemps. J'ai adoré. Je sais pas où aller, quoi. Je sais pas, y a rien à gauche, y a rien à droite. Je vais à la droite quand même. Hein. Je sais absolument pas si c'est normal ce que je fais. Ouais, voilà. Ouais, c'est peut-être écrit comme ça, je sais même plus. C'est Sigur Rós, ouais. Et en fait, ah voilà, tiens. En fait, ils ont un... Ce qui rend leur musique originale, bah c'est vraiment, ça fait vraiment penser à ça. C'est que le mec a une voix extrêmement aiguë. Et en plus, ils utilisent une guitare électrique qui est un effet particulier qui fait qu'on a l'impression que c'est une deuxième voix en fait. Et c'est plus des violons, plus un piano, c'est franchement, c'est magnifique. Enfin, faut pas avoir le blues par contre, hein, qui est un peu tristoun, mais bon.
Ok. Je peux aller là? J'ai pas le droit d'aller là, apparemment. Mais là, je devrais pouvoir y aller. Ah, ok, d'accord. Quand je casse un pot... Le truc, il aime pas. Ok. Là, c'est berliniste pour gris. D'accord, ok. C'est bizarre comme... Putain, je suis gêné dessus. Vague. Prends une bouteille de gnoll, un cigoros, du sadé et youpi. Ouais. C'est ça. Magnifique. Berber. C'est bizarre ça, Berber. Je suis déjà venu là ou... Non, je suis pas venu là. Oh, des piafs. Eh, les piafs, venez jouer. Tiens, je pensais à toi l'autre jour, Jim Lao, il y a Blacky qui a joué à un jeu, je crois que ça s'appelle Yono, Y-O-N-O, avec un éléphant, c'est... J'ai à moitié en 3D isométrique, ça faisait penser à du Little Big Adventure, en fait. Autant au niveau sonore qu'au niveau graphisme. Ça m'a fait marrer. Continue, hein. Je sais pas si c'est le bon chemin ou quoi, j'imagine. Mais je continue juste. Je réfléchis pas. Je me laisse porter par le jeu, hein. Vous m'excuserez, hein. Hop. Merde. Ah, ça passait en fait. Oups. Un vrai éléphant à quatre pattes avec une... Oui. Un vrai éléphant à quatre pattes. Exactement. Je pense qu'il doit y avoir plein de trucs à découvrir un peu partout, en fait. Oh, merde. Non. Oh, il fait chier. Ok. Pas un éléphant à 8 pattes et 8 yeux, non. Un éléphant de la première génération. De la vieille génération, quoi. J'ai le cerveau qui saigne. Et les yeux, c'est pas mieux. Je vais où? Visiblement, je peux pas aller par là. Il est choupi tout plein, Yono et des Celestial Elephant. Ouais, hein, c'est clair. Ah, là-bas, il y a des trucs. Oh! Tu peux retourner ton écran? J'y ai pensé, figure-toi. Non, il faut que je passe par là-haut. Putain.
Ok. Oh là là. Ok, d'accord. C'est vachement bien, mais ça retourne le cerveau. Hein. Quand même. Il faut bien le dire. Ok, donc j'imagine que c'est par là. Ah, ok, là. Par là. En plus, je suis pas sûr à 100% de... Parce que si il y a des trucs que je... Oh mais je suis déjà venu là. Faut que j'aille de l'autre côté maintenant. Ah, il faudrait une autre bouboule qui doit être de l'autre côté du coup. Si j'oublie des trucs et tout, je vais... C'est le bordel hein, parce qu'il n'y a pas de carte. Donc bon. Plouf. Ploufi, ploufa. Ok. Ah, d'accord. Oh, j'ai des... Ok. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais où avec ça? Je crois que j'allais me faire retourner encore. Ah bah si. C'est pas par là. Potentiellement par là. Se calme. Mais non, plus haut. Récupère-les. Un. Oh mon dieu. Ok. Oh, c'est juste à gauche. Ok, faut que j'aille dans l'eau là. Comme ça là. Comme ça, ok. Ah mais non. Mais non, mais non, mais non. Je vais savoir combien de temps pour les refits de... Ouais mais sinon je pourrais regarder sur How Long To Beat. Mais c'était, je voulais voir combien de temps pour un streamer surtout. Hmm.
C'est pas par là. Faut visiblement que je passe à gauche. Ah, ok, ouais, mais... Si je retombe dans l'eau, je les perds. Ah non. Voilà. Ok. Je pensais qu'on ne pouvait pas repasser dans l'eau. Ok. Oui. Rose. Du rose. Bonjour. Je... Maintenez enfoncé... Ah, pardon, non. Maintenez enfoncé B. Elle a récupéré sa voix, là, madame. Ok. Mais encore. On fait quoi avec ça? Ça fait pousser des trucs. Ok. Je sais pas, je vais aller à gauche. Ah oui, c'est pour ça qu'avant elle faisait effectivement un truc genre... J'avais pas percuté. Faudrait capter ce que ça fait. Est-ce que ça rallume les lumières? Ça fait éclore les fleurs. Ça c'est sûr. That doesn't work. Aha! Ok. Avant de descendre, je vais aller voir là. Ça fait rien. En tout cas. Oups. Je vais où alors? Non, par là. Hein. Jeu, on aime les phases aquatiques. Je vois ça.
Ouais, que quelqu'un refasse face à un mix de That Doesn't Work avec la voix de Rinzo. Ah! Non! Ok, je comprends maintenant. À quoi sert le truc jaune? Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Ah! J'allais pas percuter la première fois. Oh merde. Ouais, je tombe. Hein. J'ai vu qu'il y avait une série sur Amazon Prime basée sur l'année de Terry Pratchett. Ah oui, c'est Bad Omen, c'est ça? Ouais, c'est clair, ni de voir. La chanson Good Omens, ok, pardon. Comme la chanson de 19, ni 19 des années 80 sur la guerre. Hein? Je connais pas. Oh, je vais faire fleurir les trucs là. Ah putain, le fail. Mais putain, j'y arrive pas. C'est ouf. Voilà. Ah là là. Oh là là. Oh là là, Marc, bienvenue, merci beaucoup pour le host. Voilà. Un peu un peu plus à gauche. Voilà. Je vais allumer l'autre quand même aussi. Coucou Marc, Marc, tu devrais pas être là. Tu voulais pas te spoil le jeu. Quand même, puis on est pas loin de la fin là, a priori. No! No! Je recommence. Oh putain. Oh putain, ouais, ok. Voilà. Ah, j'ai réussi, ouais. Bon, j'ai craqué, j'ai pris Batman Arkham Asylum. Cool! Ah bah j'ai hâte de... Tu sais quoi, tu vas me donner... si je peux passer te voir, comme ça, ça me rappellera le jeu et ça me donnera envie de jouer au suivant. Pas grave, d'ici ce que je le fasse, il passera un an et j'aurai tout oublié. Ok, bon, ça marche.
C'est une chanson reprise en français par Yves Mourousi, présentateur du... Ah, mais je connais Yves Mourousi. Je savais pas qu'il chantait, par contre. Ok. Ah, no! Ce sera mon jeu du mardi soir, Batman. Cool! Cool, cool, cool. Non, je vais aller à gauche avant pour voir. Non. Ça me fait penser à Transistor, du coup, la nana qui chante. Revenez les piafous. En fait, tu spoil le dernier niveau. Ah ouais, c'est ce que je viens de dire. Et il se spoil grave là, parce que t'es en train de voir tous les trucs que tu sais pas au début en fait. Mais bon, il a dit qu'il aura oublié. Donc, tiens, Batman, je l'avais piraté à la fin. J'ai glitché jeu d'intervent. Tu peux plus jouer du coup. J'ai les devs. Après, tu peux pas te plaindre puisque tu l'avais piraté. Dans Spyro 3, le jeu est injouable si on l'a piraté. Ah, bah c'est pas grave, ça c'est normal. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Ok. Bon bah je vais par là. Oh, c'est tout blanc. Jim-là, il est sorti sur PC, Spyro... Non, pas encore, ok. Qu'on est revenu là. Est-ce qu'il y a encore des trucs à faire à gauche, là? Je pense pas, hein. Non. On a combien de bouboules, là? 4, 5... Je vais pas avoir... 2, 3, 4, 5, ouais. Je me trompe de touche. Heureusement que ma vie en dépend pas. Hein. Putain. Parce que. Ok. J'ai pas l'impression qu'on puisse aller plus haut là. Ok, bon, je vais à droite alors. Oups. OMG, 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 OK. Non, parce que le jeu guide pas, mais au final, on s'en sort pas mal. Enfin, c'est bien fait, quoi. Mm-hmm.
Ah. Ok. Oh. Un éléphant. Ok, bah je sais pas, je vais y aller. Hein. Il a l'air de me suivre le truc. Hein? Oh, c'est magnifique. Je trouve que ce jeu est moisi, finis-le vite, qu'on passe enfin à autre chose, lol. Jim Lahoc a quand même mis son réveil pour venir à Star là. Bien le dire. Ouf, j'ai failli pas y arriver. C'est le jeu de l'amour. C'est vrai. Très bien. C'est un très bon jeu. Mais... Oups. Ok. Ok. C'est un jeu qui retourne un peu le cerveau aussi. Hein. Je sais pas trop pourquoi. Mais bon. Ok. Oui. Ok. Peut-être. Oui. Oh là là! Ok. Je retourne à gauche. Ta-da-da, ta-da-da. Marc, tu t'es pas couché ou tu te lèves? Merde. Non, tu t'es... T'étais sur un jeu, t'étais sur Hitman, là, juste avant, en fait. Je trouve que ça mange de monstres, de boss, de démons et de sang. Pas couché, ok. Bah, tu verras peut-être... des monstres, des boss, des démons et du sang quand on aura fini gris parce qu'on va faire une découverte. Je doute quand même qu'il y ait des monstres et des démons. Mais il y aura du sang, je pense. Ah. Ok. Merci. J'allais à gauche plutôt. Après gris, tu fais rouge. LOL! Je fais mort doré. Mais merde. Bon moment. Hein. Si vous voulez, je vous passerai un peu de Sigur Rós après. Que vous voyez ce que ça donne. Hein. Si ça en intéresse quelques-uns. À la pause, hein, une fois que le jeu sera terminé.
Ah, tu connais Marc. Tu vois, ça te fait pas penser à ça? La musique qu'il y avait là. Ah, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Ok, on va revenir au milieu. Merci, Avia. Ok. Mais il y a des trouillous là. Ça marche pas apparemment. Bon, faut que je revienne au centre là, c'est ça l'histoire. Là. C'est là. Ok, non. Je sais pas où aller maintenant. J'ai assez de bouboules. Ah, c'était un peu short. C'est pas là. Là. Merde. Bah alors je sais pas où aller. Hein. Voilà, c'est ce que je redoutais en fait. C'est du coup de me dire ben voilà, super. Donc je sais pas, je sais pas. On peut aller voir par là. Je me rappelle plus d'avoir vu. De toute façon, je peux pas passer là, donc comme ça. Super connu Shigurus, ben je crois que Jimlao et Avia connaissaient pas. Moi j'adore, je les ai vus en concert il y a longtemps. Et ce qui me plaît surtout c'est. Oh là là! Oh là là, Weeping Jay, bienvenue, merci pour le host. Ce qui me plaît surtout c'est que en fait le mec avec sa voix extrêmement aiguë. Oh là là! Et la guitare qui est sur la même tonalité en fait. Georgia, merci, Weeping Jay, Georgia, ouais, t'as pas idée de faire de l'exercice, comme ça, à cette heure-là, yo Elki, coucou les kinous, voilà. Adi vient de dire Weeping Jay, bienvenue, comment vas-tu? T'as entendu ton pseudo? Non, t'entends des voix? Il joue de sa guitare avec un archer de violon, plus un effet, plus des effets qui font qu'on a l'impression que c'est une... qu'il a que c'est une deuxième voix en fait. Ok. Et merci beaucoup encore une fois. 15 mois de Weeping Jay. Wouh. Donc ouais. Bah là je sais pas où je vais, mais je sais pas. Je sais pas. Du tout, du coup, j'ai l'impression qu'on est complètement paumé là. Je sais pas où les amener ces boubous là. Donc je retourne à gauche. Je me dis que j'ai loupé un truc. Je me dis que j'ai loupé que je... c'était évident qu'il fallait aller à un endroit particulier et j'ai oublié. Un peu fatigué. J'adore ces musiques dites post-rock et alternative. Enfin, moi, pour moi, c'est complètement. Sigurus, c'est un ovni total. Hein. Je le classifie dans rien du tout, moi, Sigurus. Hein. C'est du Sigurus, point barre. Et donc Marc, ça te fait pas penser à ça là, la musique qu'on entend là? Ah merde, putain!
Oh la chiotte. Où est-ce qu'il était le... Voilà. Y'a un truc que t'as pas essayé, je sais pas. Eh ben je sais pas non plus, mais Avia, t'as fait le jeu toi, non, c'est ça? C'est ce que les journalistes appellent du post-rock, d'accord. J'ai sur Goros, en fait, tu sens pas mal l'influence dans l'album de Toc Toc. Hein? De Toc Toc? Ok. Je connais pas assez Toc Toc pour être d'accord avec toi. Mais ça me paraît bizarre. De ce que je connais de Toc Toc. Je dois pas connaître les albums que tu connais. Bon. Va falloir trouver, hein, parce que sinon ça va me prendre la tête là. On a réussi le puzzle ici là. Je me le retape. Ah, ta race. Non, putain. Ah putain, ça m'agace. Ah putain, ça m'énerve. Oh! Surtout, je suis sûr qu'on fait ça pour rien en plus. Comment vous savez pour le nombre de boules? Bah, j'en sais rien moi. Je sais pas combien il faut de bouboules. Je sais juste qu'on a été faire un puzzle à la gauche et un puzzle à la droite. Je sais pas où il faut les ramener. Je sais pas, si ça se trouve, il y avait plus de groupes de bouboules à aller choper, j'en sais rien. Le jeu est tellement cryptique. Ah ouais, non, tiens, c'est bien ça aussi. Des fois que je ne comprends pas. Là, je sais pas, on en a... On a toujours 5 en fait. J'en sais rien. Les ponts montent le bon... Mais je sais pas où ils sont les ponts... J'aime là-haut. J'ai pas vu de pont. Je sais pas parce que je suis fatigué, mais j'ai absolument pas vu. Et là, je sais pas où on va. On revient là. Tu vois, il y a eu such a shame en 84. Ah, vous parlez encore de ce truc-là, de Toc Toc. Donc là, et j'étais parti en bas, on a détruit le truc ici. T'as trouvé deux boules dans le côté gauche et droit? Ben écoute, j'en sais rien, j'aime là où je m'en rappelle plus moi. J'en ai 6 là. J'en ai 6. Il me semble que j'ai trouvé à gauche et à droite, ouais. Que j'ai trouvé à gauche et à droite. Maintenant, tu me dis où aller. Bah, je sais pas. C'est quelque chose que j'aurais dû voir. Pour moi, il faut que j'aille au centre, mais au centre, ça donne rien. Attends, je crois qu'on est revenu au centre. Tu vois là. Alors, logique, ça serait au centre, mais. Retourner, mais il me semble que, enfin,
En toute logique, il y a un endroit qui est inaccessible. Ouais, mais ça fait 3 fois que j'y vais. Et j'ai même pas un petit indice en fait. Oh, tu vas me saouler longtemps, toi, putain, sérieux, allez. Le jeu zen qui est plus zen. Il est plus zen, le jeu. Ok, donc là, y'a rien. Ok, là, y'a rien. Et là, y'a rien. Il faut que je... Ah bah, super. Ok. Je l'ai fait partout sauf là en fait. Ok. Et je peux marcher là-dessus? Non. Je peux marcher sur les... Ah ouais. J'ai rien à te filer avant la fin du jeu ou après pour une scène bonus 100%. Ok. C'est... Ok. Après les crédits ou... Je sais pas. Est-ce qu'il faut que ça soit sur la vidéo finale? Faut qu'on la regarde maintenant. Ok, me balance le lien. On va regarder ça maintenant du coup. Balance. Je suis là. Ou pas alors. Ok. Maintenant, en fait. En fait, il y a mieux. Ok. Bah, si, il y a mieux. Ok, hop. Paf. C'est 2 minutes, c'est ça? Ça, il n'y a que la scène bonus. Ok. Tac. Tac. On va remercier... je ne sais pas qui. Tac. Ok, c'est ce qu'on vient de voir, ça. Ça va pas spoil ce que je vais faire Mais ça, c'est en train de spoil, là. Gym là-haut.
n'a pas fait ça. On peut l'avoir quand on trouve tous les secrets. Ok, d'accord. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Hop. Va-t'en. Tac. Merci beaucoup. Gym là-haut. Allez. Ah, parce que... Alors, attends. Si je vais là... Ok, je vais là. Ok. Ah d'accord, c'est toutes les branches en fait du truc qui sont pas allumées, c'est tous les secrets qu'on n'a pas vus en fait. Dire que pour la majorité des gens les jeux vidéo ça se résume à pam pam boum boum ou Super Mario. C'est pas faux. Ok putain, y'en a un qu'on a loupé. Hein. Oh là là. Oh là là. J'avais pas vu quand t'appuies juste un petit coup comme ça. Merde. Je sais pas si j'aurais dû aller là du coup. Merde, faut que je revienne aussi moi. Bon, bah je sais pas. On dirait qu'il manque des bouboules. Ah, c'est moi qui joue. Vite, plus vite, plus vite. Ouais. Ah merde, je peux pas que je les évite, ça sert à rien en fait.
Je reviens. Que ce n'est pas fini. Dans ma famille, je passe pour un geek inadapté social, voulant pas quitter sa mère, incapable d'avoir une relation sentimentale jouant des jeux vidéo toute la journée. Ah là là. Pareil, Marc, du coup, une fois, j'ai eu mon père sur un jeu de course avec le volant, il a compris que c'était plus riche que spam une touche. Oui, c'est clair que... On peut pas comprendre si on fait pas, en fait. C'est comme tout, à vrai dire. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai plein de potes qui me jugeaient, en fait, pour... Parce qu'ils comprenaient pas en fait. Surtout pour les MMO en fait. Je me rappelle. Un jour, je jouais à T4C, The Fourth Coming, la quatrième prophétie en français. C'était un vieux MMO. Sorti avant Ultima Online, c'est dire. Et j'avais un mariage en fait. J'avais un mariage. Il fallait que j'y aille quoi. Et mes potes, hey, tu viens boire une bière et tout. Je fais bah non, je suis désolé, j'ai mariage. Ah bon? Où ça? Ah bah c'est quelqu'un de ma guilde. Ah bon. Oh joli. Putain. Elle est classe la musique. Clairement épique, ça prend au trip hein. Vache. Ok. On avance. Oh là là.
J'aurais dû couper d'ailleurs. J'aurais dû couper le... Je vais baisser les sons des annonces. Ça aurait été vraiment dommage qu'il y ait un... Oh là là. En plein milieu du truc. Bon, je baisse un petit peu les annonces. T'as envie de rejouer à Abzu? Ouais, c'est le même genre. C'est le genre que j'ai contemplatif, effectivement. On s'en va dans du rien. Ça me fait penser qu'il faut que je joue à AR. Eh ben c'était bien. Voilà. C'était bien. J'avais bien fait de le wishlister pendant 10 ans celui-là et je sais même plus qui l'a offert, c'est ACMU qui me l'a offert. Qu'est-ce que j'ai compris de l'histoire du jeu? Fou. Je pense que c'est ça peut être interprété de plein de façons différentes. On dirait qu'elle est confrontée à une version comme si elle était confrontée à ses propres démons en fait. Et qu'elle en vient à bout au final. Après, dans la scène cachée que t'as montrée, il y a une gamine. Donc je suis en train de me dire que peut-être que c'est une mère, ou alors que c'est sa sœur, je sais pas. Il y a plein de théories sur le scénario. Là, je trouve que c'est assez beau comme sans essayer de comprendre le scénario. Si Marc veut pas qu'on explique, on va pas expliquer. Moi ça me va comme ça. Sans ceux qui sont intéressés pourront aller voir ça sur le net. Hein? Et si c'est bonus caché, confirme ma version. Ok. Ouais, c'est le genre de jeu où il faut effectivement faire tous les recoins du jeu pour pouvoir capter, avoir des indices, etc. J'imagine. Beyond Eyes, ouais, j'ai prévu de le faire aussi. Il est super court apparemment. Mais Jim Lowe, il a dit que c'était pas bien. Du coup, je vais pas le faire, évidemment. Non, moi, j'attends avec impatience la traduction de Lorelai pour le faire. Vu que j'ai adoré tous les jeux du même studio. Need Lorelai. Bon, c'est pas le même trip, hein, mais je sais pas pourquoi j'y pensais maintenant. La musique est vachement bien aussi. Bon, allez. Je me tais. Merci immense, spécial à nos amis et la famille pour leur patience et leur soutien, sans qu'ils n'auraient rien pu faire de rien. Et si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était le Kino avec l'épisode numéro 2, le dernier épisode, est de gris. Et merci beaucoup.